Et que t'as aussi. Un autre roi perdu, Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans les dromelles. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued, avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui, protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire, et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Firde, une troupe de paysans d'Est-Anglie, pour faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est-Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Oswald? Oui, sans hésiter. Deux Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Firde. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théophord. Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burg Castle. Accompagne-moi, Finr. Allons rendre visite à ce magistrat. Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis à sac Théophord. La chance est une denrée bien rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides. Si le clan de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Est-Anglie seront aussi piteux que cette terre. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'implorer l'aide d'une bande de paysans apeurés. Mais pour qu'ils combattent pour le roi que tu leur as donné, Finr, ne l'oublie pas. Ma tâche était de leur trouver un roi, pas de le protéger contre tous les périls qu'il aurait à affronter. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. À mes yeux, ta tâche n'était pas encore achevée. D'accord, d'accord. Inutile de me rappeler à tous mes manquements. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Ces chiens de fermier possèdent sûrement plus que ça. Ah, et tu t'attendais à quoi? De la fumée et des là, cendres. Devant. Les hommes de Roued sont passés par ici. Voilà. Mange, mon enfant. Ce n'est pas le moment de gaspiller ce que nous offre le Seigneur. Nous n'avons plus rien, magistrat. Rien du tout. Plus calme, mon ami, nous allons rebâtir. Reste, ne l'aurez pas là. Tu ne manques pas de culot pour te montrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de Feu Oswald d'Elmenham. Tu n'en restes pas moins une Danoise. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald était un ami et un allié, magistrat. Nous avons combattu côte à côte. Et regarde où ça l'a mené. Si l'on ne triomphe pas du clan de l'Est-Anglie tombera. Combat à mes côtés contre lui. Pour Oswald et pour les tiens. De belles paroles, Danoise. Mais les gens de Théophord ont leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là.
Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Rouette s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à le reprendre. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. C'est honorable. Si tu tiens parole, les piques de Théophorde se joindront à toi. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corne. Si tu réussis, souffle dans cette corne, et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Je n'en aurai pas la force. Tiens, bon. Toi, la Danoise, j'aimerais te parler. Tu as besoin de moi ? Nous t'avons entendu discuter avec le magistrat, et nous voulons combattre à tes côtés. Oswald a toujours été bon et juste avec nous. À la bonne heure. Rejoignez les ruines au nord de Burg Castle. C'est là que se rassemble l'armée. Tu as vu ma mère ? Ah, mon pauvre. Ta mère, quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? Avant l'arrivée des méchants. Elle a dit qu'elle allait revenir, mais je ne l'ai pas revue. Elle va revenir. J'en suis sûre. Si tu le dis, moi. Kingsbury, où grouillent les hommes de Roued. Ah!
entendre parler. Temps d'utiliser la corne et d'annoncer la victoire. Le magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La corne ! Oh, cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendue ! C'est une bénédiction ! Hé, Danoise ! Par ici ! J'ai respecté ma promesse, magistrat. J'espère que tu en feras autant. Oui, je tiendrai parole. Théophorde combattra à tes côtés face au clan de Roued. Et grâce à ton aide, nous pourrons encore sauver l'Estanglie. Autrefois, cette corne servait à rassembler les Firdes dans toute la contrée. D'autres, peut-être, répondront aussi à son appel. Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie-les aux ruines, au nord de Burg Castle. Takis.
Здесь держим Петвикс Памплину.